Homme accusé d'agression sexuelle a vu son dossier s'alourdir considérablement aujourd'hui à Laval. C'est que de nouvelles plaignantes se sont manifestées, Elisabeth, provoquant le dépôt de 20 nouveaux chefs d'accusation. Voilà, et les enquêteurs de la police de Laval croient qu'il pourrait avoir fait d'autres victimes qui ne se sont toujours pas manifestées. Alors, l'accusé, vous allez le voir en image, c'est Choukri Elhabre, un garagiste de 57 ans. On parle de ses 20 nouveaux chefs d'accusation, là, essentiellement des accusations d'agression sexuelle, séquestration, harcèlement, et ça concerne 7 nouvelles plaignantes qui se sont manifestées depuis cette médiatisation. Ça fait à peine un mois, là, c'était en septembre, donc ça porte le total des plaignantes jusqu'ici à 8. Ce qui est troublant aussi dans le dossier, là, Sophie, c'est que les gestes auraient été commis sur un peu plus d'une décennie, toujours dans le cadre du travail de garagiste de monsieur. Là-dessus, je vais vous laisser entendre la porte-parole de la police de Laval. L'accusé là, est propriétaire d'un garage à Laval. Lorsque les gens se présentaient au garage, c'est là que les contacts sexuels arrivaient, soit dans son bureau ou lors d'un essai routier. Et on parle quand même d'agression sexuelle, harcèlement, séquestration aussi. Oui, c'est bien ça. Il y a des chefs d'accusation là, d'harcèlement criminel, action indécente, agression sexuelle également.